Alors que sa nouvelle émission politique Une ambition intime va bientôt être diffusée sur M6, Karine Le Marchand est revenue lors de la promotion de ce nouveau rendez-vous sur l'une de ses plus grandes blessures, l'absence de son père. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, l'animatrice de L'amour est dans le pré raconte ses retrouvailles avec celui-ci, qu'il avait abandonné alors qu'elle était encore toute petite. Elle évoque également sa mort, du sida, 2 ans à peine après cette reprise de contact. C'est par hasard, à l'occasion d'un reportage réalisé au Burundi, qu'elle était parvenue à retrouver sa trace, filmant leur retrouvaille sous la forme d'une interview. S'ils se sont ensuite revus plusieurs fois, elle admet cependant n'avoir pas eu grand-chose à lui dire avant sa mort. Karine Le Marchand s'était déjà confiée sur ce manque en 2009 dans un livre autobiographique, écrivant à l'époque que son père avait avant tout brillé par son absence.